moi, c'est un moment intéressant parce qu'il y a un échange de vécu qu'on ne sait pas forcément avoir avec des gens proches. Le fait de pouvoir parler avec d'autres personnes dans la même situation, ça enlève un poids de devoir rester positif alors qu'à certains moments, on ne sait pas l'être. Parce qu'on n'est pas bien et que voilà, en arrivant dans ce groupe où il y avait déjà des gens qui étaient là depuis plus longtemps, bah, je me suis rendu compte d'une chose, ça pouvait prendre plus de temps pour en sortir que ce que je m'imaginais moi. Mais par contre aussi que ça a un côté un peu déculpabilisant de se dire que voilà, ce qu'on vit, c'est pas non plus seulement un problème personnel, c'est quelque chose qui est partagé par d'autres personnes. C'est ma psy qui m'a parlé de mettre éventuellement en démarche coaching avec Martine. Et donc j'ai eu quelques séances de coaching avec Martine individuellement. Et puis elle m'a proposé d'intégrer le groupe pour ce trimestre-ci. Tout était bon à prendre et de toute façon, moi j'ai pas beaucoup de difficultés avec le fait de partager, de communier le vécu. Et donc voilà, c'est plutôt enrichissant et il y a une solidarité. Ça fait quand même du bien, quoi. Oui, je pense que chacun vit les choses comme il les vit. Il y a des gens qui ont une plus grande pudeur par rapport à ce qu'ils vivent. Moi, je pense que même dans ces cas-là, il y a vraiment beaucoup de respect. Non, mais il faut vraiment que ce soit une démarche personnelle et volontaire.